plaisir des yeux et puis surtout d'arriver en haut et de pouvoir finir. C'est le froid, je pense, là-haut, un petit peu. Il va faire frais aujourd'hui. On est prêt. On est prêt à faire une journée superbe, donc on est prêt. 10e édition du Trail du Ventoux. Cette année, ça se fera avec le soleil. L'année dernière, on avait eu une météo catastrophique. Et là, c'est le grand beau, le grand soleil que les coureurs, les 1300 coureurs, vont rencontrer sur le sommet du Ventoux. Et ils cavalent tous comme des dératés. Difficile de croire qu'ils ont 46 km de sentier et 5700 mètres de dénivelé à ingurgiter. Bédouins, 1300 coureurs au départ de ce 10e Trail du Ventoux et 900 sur le carreau qui n'ont pas obtenu de dossard. Comme tous les ans, sur le Ventoux, on met des petites nouveautés pour que les coureurs, en plus de s'exprimer sportivement, découvrent ce magnifique massif. Donc, ils vont découvrir quelques montées différentes de l'année dernière, avec plus de visuels, des passages techniques, des passages en relance. Menu complet pour tout le monde, proposé par Serge Jolin, le parc de la cérémonie cette année. Comme si cela ne suffisait pas, la chaleur a enveloppé la course. De quoi laisser sur le flanc quelques présomptueux, aveuglés par le charme du Mont Chauve. On a vu passer Andy Simons, favori chez ces messieurs. Elle, habillée de noir, Oyana Cortázar, la coureuse basque espagnole, est favorite chez ces dames. Trail du Ventoux, 10e du nom, a attiré toute la clique des cavaleurs de pleine nature. 26 ou 46 km de parcours tracés sur les pentes du géant de Provence. De quoi satisfaire l'ensemble des guiboles, à condition bien sûr de ne pas sous-estimer la nature de l'effort. Kilomètre 7, Esplanade Piau. À peine le temps de se mettre en jambe, le peloton a subi une cure d'amaigrissement radical. Ils sont deux en tête, Andy Simons et Pascal Guiguet. Derrière, on est déjà en apnée. Il reste 39 km à courir, dont 16 pour atteindre le sommet à 1912 mètres d'altitude. Allez, Vincent, allez, allez. Allez, allez, allez. C'est magnifique. Hey Coco. Coco, c'est Corinne Favre, une légende vivante de la course de montagne. Elle est en deuxième position. Oyana Cortázar est devant à une minute. Mojibert est troisième à une minute derrière, justement. Brochot, Bizet, ce sont les leaders du 26 km. On arrive à hauteur de la bifurcation qui va séparer les deux parcours. Et pourtant, sur leurs talons, les meneurs du 46 km sont déjà là. Ça va, un peu dur au départ, mais ça va. Le sourire sur le visage de Speedy Simond. Ne trompe pas l'anglais chez lui ici. Le dernier vainqueur de la course des Templiers a pris le temps de reconnaître, d'étudier le tracé. Dans la montée face nord, Simon progresse désormais seul devant. Guiguet a levé le pied. Préférable. Derrière, Michel Lannes tente de limiter les dégâts. Il emmène avec lui notamment Nicolas Martin. On a vu passer Dossard 16, voler le Dossard 52, François Dan le 51 ou René Rovera en gros plan Dossard 37. Kilomètre 15, les parcours se séparent. Foulée raccourcie, mais souple, Andy Simons poursuit son festival. Une minute d'avance sur Pascal Guiguet, 1 minute 20 d'avance sur le peloton qui se débat derrière. Il y en a qu'un qui est parti là. Ouais. 13. Les souffles trahissent la nature de l'effort. Dans de telles conditions de progression, il est parfois préférable de perdre quelques secondes pour calmer le palpitant.
plutôt que de risquer la rupture. Oyana Cortázar, en championne, elle a fait ce choix. Super course, hein. Merci. Toutes les années, c'est vraiment un plaisir de revenir. Ouais, super. Aucun regret, magnifique. Il fait beau, tout va bien. Si on y va tranquille, à son rythme, si on s'écoute, ça le fait toujours. Mais il faut aller à son rythme. Les saucissons là. Je récupère les gobelets. Allez, on y va. Il fait beau, le paysage est beau. On va en profiter. On attend le sommet. Hein, le voir, le mythique sommet du Ventoux. Pour la première fois, on le verra. Toujours aussi pelé, toujours aussi frais, mais toujours aussi mythique. Bienvenue au sommet du Ventoux. Je suis parti à mon rythme, je suis parti à un rythme que je savais normalement je devrais pouvoir tenir jusqu'à la fin. Et je me suis trouvé en fait assez vite, au bout de 5, 6, 7 km peut-être, en plus ou moins en tête, pas vraiment en tête parce qu'il y avait deux autres coureurs devant moi, mais ils faisaient le 24 km. Donc ils ont tourné au bout de 14 km. Et du coup, après ça, j'étais tout seul. Maxime Durand, Julien Navarro et Greg Vollet atteignent le sommet 3 minutes derrière le leader. Guillet, Camus, Lebrun comptent 4 minutes 30 de retard. Lannes, Dan, Martin, Assailly, Camus sont à 5 minutes. Dossard 22 imperturbable. Oyana Cortázar est la première de ces dames à basculer en tête. C'est beau, je connais le parcours, j'aime le parcours, je sais ce qui allait arriver, qu'il y allait avoir des montées, des descentes, j'allais avoir ma famille au ravitaillement, je connaissais tout assez bien, donc j'essaie vraiment de maîtriser au niveau de l'énergie et de prendre plaisir dans le parcours. Simon maîtrise, c'est certain. À 13 km de l'arrivée, Maxime Durand, Julien Navarro et Greg Vollès comptent 6 minutes de retard. La descente n'est pas si ligne de récupération, au contraire. Serge Jolin a dessiné un parcours sans répit, même quand ça descend, ça monte. Kilomètre 33, Corinne Favre s'accroche à sa deuxième place. Cortázar est intouchable. La Basque est à 15 minutes devant. Le souci, c'est Maud Gobert. La championne du monde de trail 2011 revient progressivement sur ses talons. Jolie bagarre aussi en perspective, mais légèrement en retrait. Irina Malejonok et Sandra Martin se battent, elles, pour la quatrième place. En fait, j'ai continué plus ou moins au même rythme. Même si on part relativement doucement, on arrive toujours à la fin assez cassé au bout de 46 km. Donc c'était la bonne chose à faire et j'ai vraiment pris plaisir dans le parcours. Et oui, j'étais fatigué à la fin, mais pas trop avant la fin. Donc c'est comme ça que ça devrait être. Mister Simons, Royal. Ça, c'est vraiment les conditions parfaites pour une course de genre. C'était vraiment idéal. Chaud, mais pas trop chaud, donc c'était parfait. Et il faut dire que c'est vraiment un beau parcours, c'est une belle montagne. Julien Navarro et Maxime Durand franchissent ensemble la ligne d'arrivée 10 minutes plus tard. On est monté, ce qu'on disait, assez calme pourtant. On est arrivé en tête ensemble avec Greg.
Et petit à petit, elle a descendu, on a lâché Greg un peu loin sur le roulant. Et puis après, bon, on s'était tiré la bourre toute la course. Donc, on a dit, on était tellement contents tous les deux de finir sur le podium. On a dit, bon, allez, maintenant on finit ensemble. Et c'est une belle rencontre, encore une fois, sur une course. Et merci à l'organisation, c'était vraiment fantastique. Ah ben, super. Quoi demander de plus, un podium, je m'y attendais pas du tout. J'espérais un top 10. Et je finis sur le podium, donc c'est super. C'était une très bonne course. Et... très bonne organisation, en top. Le classement chez ces messieurs. Et la première de ces dames, la Basque, pour la première participation à un trail en France, s'impose. Elle, la championne du monde de skyrunning, frappe un grand coup et hisse ses couleurs. Félicitations. Elle n'est pas habituée à tant de chaleur et aussi difficile la course. Maud Gobert arrive à son tour, deuxième donc. 16 minutes derrière Oyana Cortázar. C'est vrai qu'il faudrait une moitié de moi, une moitié de Corinne pour faire Oyana. Bon, après, on peut pas tout faire. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime bien, je pense que je suis assez polyvalente. Après, c'est vrai que j'ai géré mon effort parce que c'est vrai que quand j'ai rejoint Corinne, on sait très bien qu'on manque de longueur. On n'avait pas de force dans les jambes, quoi. Troisième place pour Corinne Favre qui participait à la Fiera Menta 10 jours avant. 7 Corinne Favre. Je voulais vraiment découvrir ce ventoux en pied parce que je ne connais qu'en vélo. Et c'est magnifique, c'est technique, c'est magnifique. Numéro 11 Irina Maljonok, 4e devant Sandra Martin. 10e édition du Trail du Ventoux, idéal ou presque. L'organisateur est conscient du succès de son épreuve. Il lui faudra sans doute trouver une solution pour répondre à la demande croissante. L'an prochain, si vous souhaitez arpenter les pentes du Ventoux, et peut-être accéder au sommet, commencez par vous inscrire rapidement. Salut, la semaine prochaine, l'Iceland Trail sur Sport Plus.